encadrons en moyenne par an 600 dessins pour partir en exposition et environ 1000 dessins en remontage collection pour but de conservation préventive. La première étape consiste de regarder l'état du support et les matières utilisées du dessin pour pouvoir choisir le carton le mieux adapté à son montage. Donc ce dessin doit partir en exposition, une exposition qui s'appelle « Gênes, dessiner la grandeur ». Il se présente de cette façon-là quand il est montré en salle de consultation. Il est donc consultable par le public. Et il a évidemment autour des filets que le conservateur voudrait présenter et montrer à cette exposition. Donc on va refaire le montage pour l'exposition et ensuite pour la collection d'une façon pérenne. Donc j'ai pris mes cotes et je vais passer à la machine pour couper le carton. Tout d'abord une charnière entre ces deux cartons. Alors ça, c'est une charnière en tissu qui a une partie adhésivée en fait. Tout est bon. Et là, on va prendre le papier Japon. Ce sont des colles à base d'amidon, soit de riz, soit de maïs. Et on est obligé d'en faire un glacis. Alors en fait, on va poser notre colle directement sur du carton. Alors, le système du glacis, c'est ça. Alors là, je mets quelque chose pour pas évidemment que ça colle le temps du séchage. Voilà, maintenant, il faut que ça sèche quand même au moins un quart d'heure, au moins. Et on va mettre sous presse surtout. Voilà. Et là, on laisse sécher. Voilà, la charnière doit être sèche. On va pouvoir arrondir les angles. Les types de cadres sont des cadres donc Peduzzi, des cadres sycomores, des cadres Boidéal, des cadres Maratta et des cadres Rothschild. Ces cadres sont fabriqués par le Musée du Louvre à l'atelier d'encadrement dorure. Ils sont fabriqués avec des mesures standards. Là, nous avons choisi un cadre donc Peduzzi. On précise bien le numéro d'inventaire et le titre de l'expo et éventuellement le lieu où il va aller. C'est des ressorts pour pouvoir tenir le montage dans son cadre. Et on va fixer ces ressorts à l'aide d'un scotch. Et voilà, la mise sous cadre est finie. Alors vous observez là un dessin, un pastel de Gauguin en fait, qui est recto verso, qui va partir à Chicago. Et je vais l'installer dans son montage d'exposition, dans un cadre double face, Peduzzi. Alors là, vous avez donc son cadre d'exposition. Je vais installer le dessin. Le verre qui revient par-dessus. Et la deuxième partie du cadre. Alors, voici le dessin présenté, son verso, son recto. Nous avons aussi une autre demande, c'est la réalisation de cadres climatiques pour le départ d'exposition pour les œuvres les plus délicates, les plus fragiles. Les cadres climatiques, c'est une réalisation qui remonte à quelques années au Musée du Louvre pour protéger ces dessins des éventuelles variations d'hygrométrie en fonction des changements de température. L'œuvre est déposée sur le verre. Puis vient le polypropylène cannelé, doublé de son film d'aluminium,
dans lequel a été ménagée une fenêtre permettant d'inclure le microcapteur. Sur ce polypropylène est également fixé un matériau dit tampon à base de silica gel qui va permettre de maintenir l'hygrométrie à l'intérieur du cadre. Il est placé au dos du montage de l'œuvre et c'est alors que l'encapsulation va se réaliser en scellant l'ensemble des composants. Maintenant, nous avons effectivement une encapsulation complètement hermétique. Nous voyons ici deux moments critiques en ce qui concerne les changements de température. C'est le moment où l'œuvre va rentrer dans la soute de l'avion et vous voyez ici une baisse de la température sans qu'il y ait une variation significative de l'hygrométrie. Ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est le contact avec ces œuvres de maître qui fait rêver le monde entier et que personne ne peut approcher d'aussi près.